Salut, nous poursuivons la deuxième partie de notre formation sur CIP 2016. Voilà, donc nous sommes en train de traiter un cas de dimensionnement et ferraillage d'un mur d'échutainement en béton armé, l'étude de la stabilité d'un mur d'échutainement. Voilà, donc la deuxième partie, nous allons continuer, rester toujours connectés. Vous allez voir que c'est une formation vraiment qui va vous aider de manière à ce que vous ne puissiez pas avoir des difficultés à ce qui concerne le dimensionnement d'un mur d'échutainement sur CIP. Voilà. Alors, étant donné que déjà on a inséré tous les paramètres, mais aussi les différentes couches, donc je dirais qu'on a fini. Maintenant, nous allons on peut, définir certaines phases des calculs, puisque nous le savons très bien que pour bien calculer notre mur d'échutainement, nous sommes obligés soit de scinder donc les phases en deux parties, de manière à ce que nous puissions le faire donc très très bien. Alors, je vais le faire ensemble avec vous. Je viens d'abord sur phase. Regardez. Alors, qu'est-ce que je fais? Au lieu de venir ici, tout comme je peux d'abord échapper. Voilà, les phases, je peux cliquer directement ici, hein. Je clique tout simplement à côté ici. Une fois cliqué, voici ce que je viens donc d'obtenir. Déjà, à ce niveau, je vais définir donc les deux phases. Première phase déjà est là pour insérer donc la deuxième phase. Je peux cliquer tout simplement à côté ici. Ça fait donc deux. Je vais renommer ça. Ici, j'écris phase 1. De l'autre côté, je peux écrire phase 2. Voilà. Donc, je viens de créer donc les deux phases. Alors, vous allez remarquer que les phases, on peut les distinguer donc par exemple comme comme on calcule et pour les ponts. Donc on calcule pour le mur d'échutainement. Donc deux phases au même moment, c'est-à-dire quoi? Phase de construction et phase d'exploitation. C'est beaucoup plus important, surtout lorsque vous êtes en train de calculer un mur d'échutainement ou bien calculer un pont. Dès que vous définissez les phases comme ça, donc la première phase que vous êtes en train de voir ici, c'est justement la phase de construction. Et la seconde phase ici, c'est la phase d'exploitation. C'est-à-dire quoi? Dans la phase, par exemple, de construction à ce niveau ici, on met donc on ne met pas et par exemple les charges du trafic. Voilà, donc on met que l'élément. On considère que et donc la poussée, on peut considérer qu'on considère que donc la poussée de terre et les autres sollicitations par exemple. Mais vous allez remarquer qu'il y a d'autres types d'éléments, par exemple comme des trafics, qu'on ne peut pas considérer au niveau de la première phase ici. Mais la seconde phase, la deuxième phase ici, dans la phase d'exploitation, c'est là où on considère et donc hormis la poussée de terre, on considère également les charges provenant donc du trafic. Donc, on va donc supposer et donc que la deuxième phase, maintenant, il y a tous les éléments en fait. Voilà. Donc, à notre cas, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et on va supposer la phase 2. Nous sommes donc dans la phase 2. C'est que moi, je vais prendre comme phase par défaut. Bon, je prends phase 2. Au niveau de phase 2, étant donné que je l'ai déjà sélectionné, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux que continuer directement le projet. J'accepte. D'abord, c'est bon. Alors, maintenant, je peux faire quoi à ce niveau? Les nouvelles couches. Voilà. Mais déjà, vous allez comprendre que à ce niveau ici, vous avez aussi la possibilité donc d'insérer soit et de créer invité ici. Suivez peut-être créer quelques trucs. Quelque chose ici en termes d'habité. Je peux le faire soit je peux créer une nouvelle couche si je veux. C'est juste question de venir sur nouvelle couche. Bon, par rapport à ces cas ici, je laisse ça comme ça. Je vais travailler qu'avec ça. Voilà. Déjà, c'est bon. Alors, comme je viens d'arranger déjà ou d'insérer tous les paramètres, je peux donc lancer les calculs. Alors, comment lancer les calculs? Je viens ici sur calculer. Voilà, je viens sur calculer et puis je viens sur dimensionner tout. Et d'abord, il faudrait que vous puissiez vérifier. Si je vais vérifier d'abord la structure pour voir si il y a des erreurs, je peux le faire ici. Ou si je refuse, je viens directement sur dimensionner tout.
Je vais patienter, je vais voir la mention que Michel va me donner. Voilà, donc il y a un feedback qui apparaît ici. C'est écrit comment? Quelques conditions n'ont pas été vérifiées. Donc, il y a un problème. Donc, c'est-à-dire quoi? Si j'avais vérifié dorénavant, je pouvais également voir ça avant de lancer les calculs. Donc, j'accepte d'abord. Voulez-vous voir la liste complète de vérification? Oui, c'est ce que je vais voir d'ailleurs. Voilà. Il y a un aperçu des éléments. Voilà, tout est bien fait ici, données générales. Tous les éléments sont là. Vous avez le mur, semelle filante. Voilà. Les patins, tout là, tout là. Bon, je suis en train de chercher là où il y a une erreur, hein, de manière à ce que nous puissions corriger avant de continuer. Partout là, c'est bien. Vous avez tous les éléments, tout est correct. Je descends également ici. Contrainte appliquée au sol. Vous avez la contrainte moyenne, ça fait 0,4. Vous avez donc la contrainte calculée, 0,0. 600 et 7, c'est bon. Max également. Contrainte minimale. Donc c'est bien. Tous les éléments sont bien. Voilà. Déjà, je viens de retrouver les problèmes. Regardez à ce niveau ici, je me rends compte qu'il y a un problème au niveau de l'enrobage. Voilà. Il y a un problème au niveau de l'enrobage. Par rapport au feedback ici, donc on trouve que ce n'est que l'enrobage qui n'est pas donc respecté. Alors, ce que je vais faire maintenant, je suis obligé donc de corriger ça. Je crois que ce qu'on avait pris par défaut, je crois que c'était 7 cm. Voilà, minimal, ça fait. Normalement, l'enrobage minimal ici, déjà, sinon par rapport à la mention, devait être au moins de 7,5 cm. Voilà, mais ce que nous on avait choisi, c'est donc 7 cm. Donc c'est inférieur, c'est pour cela que vous avez réussi. On a réussi donc ce feedback. Ce qu'il faut faire au moins, je peux donc dépasser légèrement l'arrobage minimal ici, comme ici c'est mentionné 7,5, moi je peux prendre même 8 cm, ça passera sans problème. Je peux prendre 8, 9 ou 10, mais 10 ça serait trop. 9 également, je suppose que c'est un peu trop, donc je prends 8. Voilà, ce n'est que ça. Et puis vous avez quelques conditions. Voilà, ce n'est que ça, ce n'est que l'arrobage. Et donc je vais corriger ça rapidement, je ferme d'abord. Pour corriger, c'est simple. Il faudrait que vous puissiez seulement vous situer, chercher d'abord le matériau, c'était sur ouvrage, je viens sur ouvrage, je vais prendre dans matériaux, voilà, je clique sur matériaux, voilà, et je viens, c'était l'enrobage latéral de la fondation, c'est ça. C'est qu'on avait pris par défaut, on avait considéré, on avait pris 7, on avait laissé par défaut comme ça 7, je vais augmenter ça un tout petit peu, je prends cette fois-ci 8, c'est bon, c'est tout, j'accepte. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux relancer les calculs. Voilà, je viens calculer. Au lieu de dimensionner, de relancer les calculs tout ici, je viens tout simplement sur vérification. Je clique seulement sur vérifier. Voilà. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Toutes les conditions sont vérifiées. Maintenant, ça va. J'accepte. Voulez-vous voir? Oui, j'accepte. J'ai vérifié encore à nouveau. Vous allez voir que cette fois-ci, tout est bien. On n'a pas de problème. Donc, on a respecté tous les éléments. Tous les éléments, vous avez donc un aperçu très très clair que vous pouvez soit imprimer, voire même. Je vérifie d'abord s'il y a encore une erreur. Je pense pas. Prévenez qu'on n'a pas. Voilà. Maintenant c'est bon. Toutes les conditions sont vérifiées. Donc maintenant c'est OK. L'enrobage, voilà. Minimal c'est 7,5. Moi j'ai pris 8 cm. Donc maintenant c'est OK, c'est vérifié. Et donc c'est bon. Là je peux fermer. Je ferme. Et donc, je viens de calculer sans problème. Maintenant, qu'est-ce que je fais cette fois-ci? On peut maintenant exploiter donc le résultat. Alors, pour exploiter les résultats, qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord ici sur cercle de glissement, le pli défavorable. Voilà, à ce niveau ici, cet onglet, ce n'est que pour voir, par exemple, le glissement donc global. Je clique d'abord là-dessus. Je vais patienter et voici ce que je viens d'obtenir. Voilà, donc ce que j'ai obtenu ici, je vais essayer un peu de bien visualiser la légende ici. Cercle, vous avez donc centre des cercles de glissement, le pli défavorable, le coefficient de sécurité, ça fait 1,307. Non vérifié, distance de l'arrache du mire. Ça fait x 2,32, vous avez cote y 2,90.
Rien, voilà, c'est bon. Ici, il n'y a pas de problème assez, hein, il n'y a pas assez de problème. Voilà, donc vous avez l'enlure de glissement. Voilà, glissement, ici, ça fait 19, 18. Ici, vous avez donc, si je vais vérifier le glissement minimal. Je clique là-dessus, minimal. Vous avez dans tous les éléments. Maximal aussi. J'enlève d'abord minimal. Voilà, donc c'est ça. À ce niveau, ce n'est que pour le glissement. Voilà. Et après, maintenant, je peux aussi vérifier les résultats donc, de la phase. Je viens ici, résultat de la phase, ce que je vais encore vérifier. Je clique tout simplement ici. Voilà, résultat de la phase est là. Alors, premièrement, je commence d'abord avec le diagramme. Donc, à ce niveau ici, on peut donc toutefois voir les différents diagrammes. Par exemple, diagramme de l'effort normal, diagramme de l'effort tranchant, diagramme de moment fléchissant, ainsi que diagramme de poussée de tear. Je commence d'abord avec le diagramme d'effort normal. Regardez l'enlure. Voilà, l'enlure est là. Je vois ça bien. Diagramme de l'effort normal, kilonewton par mètre. Voilà. Ce que vous êtes en train de voir ici en bleu, ça représente tout simplement les charges permanentes et poussées de tear avec surcharge. Mais en vert ici, c'est la charge permanente et poussée de tear. Donc, c'est presque fusionné. Voilà, donc ça c'est l'enlire de diagramme de l'effort normal. Je peux voir aussi de l'effort tranchant. Voilà, l'effort tranchant, c'est pas vraiment complètement fusionné, c'est un peu différent. Regardez, là c'est fusionné, mais vous allez voir ici que c'est un peu séparé. Voilà, entre les charges permanentes et poussées de terre avec surcharge, ainsi que charges permanentes et poussées de terre. Vous allez voir, c'est un peu séparé un tout petit peu, mais l'enlire, c'est presque le même. Et voilà, ça c'est l'effort tranchant, diagramme de l'effort tranchant. J'ai pu voir aussi le diagramme de moment fléchissant. Le diagramme de moment fléchissant est là. Donc vous avez tous les éléments. Moment fléchissant. Voilà, bon, si je vais voir aussi le diagramme de poussée des terres. Ça c'est le diagramme de poussée des terres. C'est sous forme de séquence, hein. Regardez, si on avait considéré aussi le bité à ce niveau ici, on allait voir ce bité allait jouer un rôle de contrepoids. Donc, ça allait influencer aussi un tout petit peu donc, les diagrammes au niveau, bien sûr, des diagrammes de poussée des terres. Voilà. Voilà, donc c'est bon. Voilà, vous allez remarquer ici que la pression hydrostatique ici, il n'y en a pas. C'est nul. Regardez, on n'a pas donc la pression hydrostatique. Il n'y en a pas. Voilà. Il n'y en a pas à ce niveau. Alors, je peux d'abord décocher charge permanente due aux poussées pour voir que 1, voilà, tout comme je peux voir les deux au même moment. Voilà. Donc, c'est bon. Et puis, je ferme. Puis, je ferme. Alors, on peut voir encore quoi ici? Et tout ce que je viens de vous montrer ici en termes de diagrammes, on peut les trouver aussi au niveau des graphiques des efforts. Donc je viens sur le graphique des efforts, une fois cliqué. Voilà, vous avez la possibilité de voir les tout, selon bien sûr les phases. Nous avons des phases. Regardez par exemple ici, ça c'est les diagrammes de l'effort normal. Vous avez les diagrammes de l'effort tranchant, vous avez les diagrammes de moment fléchissant, vous avez donc le diagramme des poussées. Et puis vous avez diagramme de pression hydrostatique qui n'existait pas dans ces nils. Donc vous avez tous les éléments. Tout comme je peux décocher d'abord la première phase pour voir seulement la deuxième phase. Regardez, tout est là. C'est toujours nil pour pression hydrostatique. Je peux voir aussi pour la première phase. Voilà, si je vais combiner ou fusionner les deux au même moment. Donc regardez. Voilà, je ferme. Voilà, et puis au finish, maintenant, qu'est-ce que je peux aussi voir? Je peux maintenant vérifier aussi, voir d'abord les armatures, comment est-ce qu'il y a le logiciel SIP
vient d'armer le mur d'effritement que j'ai calculé. Bon, pour ce faire, c'est juste question de venir ici, cliquer sur armature. Et voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, vous allez voir vraiment que c'est beau à voir. Hein? Regardez. Vous allez comprendre avec moi que comme j'avais fait les choix armature barre des 16, donc il a utilisé les barres des 16 partout. Partout ces barres des 16, donc c'est formidable. Regardez ici. Barre des 16, et puis vous avez aussi l'espacement, tout là, 10 cm, partout 10 cm. Voilà. Donc rien qu'avec ça, vous pouvez déjà donc réaliser le projet sans problème, puisque vous avez donc tous les éléments jusque-là. Donc voilà. Donc je crois que c'est ici où on peut arrêter par rapport à notre formation. Voilà ce que je voulais vous montrer. Je crois qu'à présent, vous êtes calé, donc vous avez la possibilité de dimensionner un mur de soutènement sur les logiciels SIPICAD, mais aussi sur Robot Structural Analysis. C'est juste la question d'aller vérifier sur la chaîne YouTube Jim Kunga Tutoriel. Vous allez voir qu'on a déjà eu donc à dimensionner un mur de soutènement, notamment aussi sur le logiciel par exemple Expert. Vérifiez toujours sur la chaîne, vous allez trouver donc le mur de soutènement dimensionné. Voilà, donc c'est vraiment important que vous puissiez maîtriser plusieurs logiciels de calcul des structures, puisqu'un ingénieur ne peut pas s'y limiter seulement avec un seul logiciel. Puisqu'il peut arriver que vous travaillez dans un bureau d'études où il n'y a personne qui connaît en fait le logiciel Robot Structural Analysis et qu'il y a seulement les gens qui travaillent par exemple sur SIP. Alors si vous ne maîtrisez pas SIPCAD aussi, ça sera un peu compliqué pour vous, de manière à ce que vous puissiez travailler sur des projets. Donc c'est toujours important que vous puissiez donc maîtriser en fait des tout pour que vous soyez vraiment très très calé. Voilà, merci beaucoup de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur Jim Kunga Tutoriel. Partagez donc cette vidéo auprès de vos correspondants de manière à ce que vous puissiez faire une large diffusion. Passez une excellente journée. Au revoir. À bientôt.